désolé. Donc en fait, donc le rouleau de matériaux qui est utilisé pour la partie extérieure du masque arrive, on le déroule pour pouvoir le faire passer dans la machine où le traitement se passe. Il va passer sous le plasma et en même temps, au même endroit, en fait, le produit chimique qu'on utilise, qui est de l'acide citrique, va être en fait déposé sur cette surface. La machine gère tout toute seule et ensuite, bah, le rouleau va continuer sa direction vers la sortie pour arriver à être enroulé. Le rouleau terminé va être utilisé lors de la fabrication des masques, soudure, mise en place de la bande élastique, pour être ensuite envoyé dans les hôpitaux ou vers le public.